Ciao, ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TaskKiller85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Ouais, petite vidéo un peu spéciale, vous avez vu le tapis, il est plus vert, il est noir, mais c'est l'autre côté en fait. Écoutez, j'ai décidé de faire ça quand je ferai du high-tech plutôt que le drone ou le RC en général. Le RC ce sera vert et le high-tech ce sera noir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une alarme. Vous allez voir, plutôt sympathique ma foi. Et performant. Juste avant de commencer, un petit rappel sur le concours avec Weir FPV sur l'estimation du poids des cadeaux offerts pour les deux vidéos. Donc cette vidéo est encore bonne jusqu'à, le concours est encore en lice jusqu'à ce soir minuit. Vous pouvez encore participer pour ceux qui ne l'ont pas fait. Je mettrai un lien dans la vidéo. Petit rappel, je vous avais posé la question savoir s'il fallait que je fasse un tirage au sort. Si jamais j'avais plusieurs réponses, ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs bonnes réponses, mais il y en a au moins une. Non, ça facilite pas les choses de savoir qu'il y a une bonne réponse, parce qu'il faut savoir laquelle c'est. Donc les autres ne pourront pas reprendre la bonne réponse. Suite à vos réponses, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, je ferai donc un tirage au sort si jamais il y avait plusieurs bonnes réponses pour ce cadeau, parce que le concours était sur une semaine, donc il n'y a pas de raison que si j'avais eu la bonne réponse la première journée ou la deuxième journée, tous ceux qui participent après n'aient pas leur chance. Donc je demandais l'estimation de poids, tous ceux qui me donneront le poids au gramme près, eh bien on mettra des petits papiers dans un chapeau et on tirera au sort. Mais pour l'instant, on est sûr qu'il y aura un petit papier. Il n'y en a qu'un. Donc pas besoin de tirage au sort pour l'instant. Également pour le concours de la dernière vidéo, pareil, je vous mets un lien ici. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour les trois petits appareils à gagner, le E019, le E61H, ainsi que le Potensic Neon, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, je participe bien sûr, et quel appareil vous préférez. Pour le tirage au sort, ce sera plus simple. Voilà, donc aujourd'hui, bien sûr, dans les prochaines vidéos, on verra, je vous ai dit, le Dog King, ici, de chez Furious FPV, envoyé également par Banggood, et on parlera également des petits oreillettes Bluetooth. Celles-ci, j'en ai d'autres à vous montrer, mais celles-ci viennent de chez Banggood et elles sont plutôt sympas. Blitzwolf, c'est une marque également distribuée par Banggood. Comme Digoo, voilà la Digoo DGAMA. Donc voici la petite boîte dans laquelle vous aurez tout ça. Je vous montre de suite. Alors vous aurez bien sûr le panneau de configuration, votre centrale d'alarme. Vous aurez également un câble USB, là il est branché, vous savez ce que c'est qu'un câble micro USB, pour l'alimenter, alors pour alimenter la batterie, parce qu'elle est également équipée d'une batterie qui peut tenir environ 5 à 6 heures. Donc même en cas de coupure d'électricité, si les gens viennent et vous coupent le jus, elle fonctionnera encore pendant 5-6 heures, mais il y a d'autres alternatives. Moi, elle est branchée sur une batterie, vous savez ma grosse batterie, là, comme un onduleur un petit peu. Ce qui fait que même si l'électricité est coupée, l'alarme reste quand même alimentée par cette batterie. Donc vous avez pas mal de possibilités différentes. Vous aurez également dans la boîte un détecteur de mouvement, ici. Le mien est installé. Alors j'ai recommandé du matériel pour pouvoir vous faire la démonstration, mais moi mon matos est déjà installé. Vous aurez également deux petits capteurs de porte. Alors je vais déballer au fur et à mesure. Deux petits capteurs ici magnétiques. Voilà. Donc ça, le fonctionnement est tout simple. Tac, on a un autocollant, à chaque fois deux autocollants pour pouvoir fixer les appareils. Et là, le fonctionnement est tout simple. Vous collez ça sur une fenêtre, ça sur le rebord de la fenêtre, ou porte, bien sûr. Et ensuite, vous faites contact jusqu'à 2 cm, 2,5 cm. On n'est pas censé être collé, donc même avec un décalage, ça fonctionne. Et dès que ça se sépare, automatiquement, ça envoie un signal. Donc c'est un détecteur d'ouverture de porte. Vous en aurez donc deux comme ça. Le détecteur de mouvement, le voici. Hop. Donc lui aussi fourni avec des petites vis si vous voulez le fixer, car vous aurez un support à fixer au mur. Donc moi je l'ai simplement mis au double face, hein, pas besoin puisque c'est pas très très lourd, et qu'ensuite on peut orienter grâce à la petite boule qui est là. Et voici votre détecteur de mouvement, détecteur de présence tout simplement. Donc un bouton on off à chaque fois derrière, pareil pour ces petits engins là, pareil un capteur de présence, c'est à dire que vous avez une petite languette là, vous voyez quand c'est fixé au mur la languette est appuyée, si jamais quelqu'un ou l'appareil tombe ou quelqu'un l'arrache, l'appareil ça déclenchera bien sûr l'alarme. Et on a la même chose sur ce support, une fois que vous clipsez ici au support, vous appuyez sur un
petit téton, ce qui fait que si jamais on le décroche ici, pareil, on va déclencher l'alarme. Donc, vous aurez bien sûr le détecteur de présence, de mouvement, deux ici capteurs de porte. Alors, je tiens à vous signaler que les accessoires d'Igoo sont donnés. Entre guillemets, c'est vraiment pas cher. Moi, j'en ai pris pour toute la maison. C'est-à-dire que j'ai six capteurs de porte, comme cela. Il faut savoir que ça vaut dans les 3 euros. Un détecteur de mouvement comme ça, ça vaut dans les 5-6 euros. Et il y a d'autres accessoires comme les détecteurs de fumée, par exemple, détecteurs de fuite ou autres. Il y a même des sonnettes. Voilà, moi j'ai une sonnette. J'ai dû payer ça 2 euros, un truc comme ça. Pour pouvoir sonner, on peut installer une sonnette au portail, par exemple, supplémentaire. Ça fera sonner l'alarme ding ding, tout simplement. Ça fera pas gueuler l'alarme, évidemment. Donc voilà, ce que vous aurez au départ, écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc deux capteurs de proximité d'ouverture de porte et un capteur de mouvement, tout bêtement. Donc ça vous permet déjà d'avoir trois points de sécurité. Alors, comment fonctionne cette alarme? Bah écoutez, c'est simple. Alors avant de vous montrer, alors vous voyez là, elle fonctionne. Alors on a des gros bruits, hein. Oula. Attendez, je désarme. Alors elle parle, bien sûr. Alors forcément, là j'ai armé et désarmé le système sans le faire exprès. Et comme vous le voyez, je reçois des messages sur mon téléphone. Cette alarme fonctionne soit en Wi-Fi, enfin pas soit, elle fonctionne en Wi-Fi. Vous avez la même version un peu plus chère qui fonctionne en 3G. Voilà, pour ceux qui n'ont pas de box Wi-Fi par exemple. Et là il faudra une petite carte SIM. Donc elle fonctionne en Wi-Fi, mais elle fonctionne également avec une carte SIM. Donc moi, sur le côté ici dans la fente, cette alarme va me coûter 5 euros par mois, puisque j'ai pris un abonnement chez Red SFR de 5 euros par mois pour les appels, 5-6 heures d'appel je crois. Le minimum, on peut trouver moins cher à 2 euros je crois chez Free ou autre. Bref, une petite carte SIM qui permettra en plus d'avoir une liaison directe avec jusqu'à 5 téléphones, mais au moins un, au moins le vôtre. C'est-à-dire que même si la Wi-Fi ne fonctionne plus, vous aurez quand même un signalement et une alarme déclenchée sur votre téléphone grâce à l'application. Alors si vous avez l'application, vous pouvez aussi contrôler votre alarme, mais si, même s'il n'y a pas l'appli ou qu'elle n'est pas en route, vous recevrez un SMS comme quoi il y a eu un déclenchement ou une mise en route, etc. Tout ce qui est fait va être envoyé, si vous l'avez sélectionné bien sûr. Mais si vous avez l'application, vous allez aussi pouvoir contrôler votre alarme depuis l'application, à partir du moment où elle est reliée au Wi-Fi ou si elle est reliée à la 3G, bien évidemment. Donc là, c'est pour l'application. Sinon, bah écoutez, voilà ce petit panneau d'alarme. Alors on va faire vite fait un petit tour des possibilités. Et ensuite, je vous montrerai comment appairer tout simplement un appareil. Alors ce qui est assez sympa, vous allez voir, je vais la brancher. Donc le petit câble USB, micro USB qui est fourni avec. Donc je vais la brancher ici, tac. Et automatiquement, j'aurai un message sur mon téléphone comme quoi l'alimentation a été remise ou l'alimentation a été enlevée. Vous avez absolument tous les messages qui vous sont envoyés dès qu'il y a une action qui est faite sur cette alarme. Parce que je l'ai décidé encore une fois. Alors, dans la fonction appel ici, vous allez pouvoir composer un numéro de téléphone et parler puisque l'alarme est équipée d'un micro. Alors ça, j'en profite pour vous montrer ce qu'il y a. Vous avez un petit micro ici, vous avez un petit bouton power, soit pour faire un reset, soit pour l'éteindre complètement. Vous avez une prise jack ici qui sert pour une alarme externe, pour un ce qu'on appelle un gueulard. Donc ça, j'en ai pris un aussi, ça vaut 4 euros je crois, 4-5 euros. Je vous mettrai les liens dans la description bien sûr de l'alarme et des accessoires que vous pouvez trouver. Vous allez voir, si vous faites le calcul, ça ne vous revient pas très cher. Hein. Pour beaucoup moins de 100 euros, vous pouvez équiper toute une maison et la portée est plutôt grande. Moi, j'ai aucun souci. J'ai même un capteur de porte qui est sur mon cabanon métallique, à l'intérieur du cabanon métallique, à l'extérieur de la maison. Il est par là. Donc, ça fonctionne vraiment bien, même au niveau portée. On a, je pense, 50 mètres sans problème de portée et ça passe à travers les murs. Juste en dessous, donc, la prise USB. Micro USB et de l'autre côté l'emplacement carte SIM. Alors vous avez un haut-parleur externe et vous avez également ici une petite accroche pour le support mural. Alors moi, le support mural est installé. C'est pareil, quand vous clipsez ça sur votre support mural, vous avez un petit, je ne sais pas si on le verra ici, vous avez un petit téton également qui vous dit si jamais ça a été déclipsé du support mural. Ça peut même faire gueuler l'alarme directement dès qu'elle est décrochée du support mural. Alors ensuite,
Donc on a la touche armée, donc vous avez vu l'écran tactile, la touche armée, la touche prise femelle, ça c'est si vous voulez connecter des prises Wi-Fi et que vous pouvez activer ou désactiver directement de l'alarme. Donc ça c'est encore des options. On peut connecter jusqu'à 99 capteurs sur cette alarme, que ce soit des capteurs de porte ou prise ou autre. Donc il y a de quoi faire, même si vous habitez un château, il y a moyen de connecter toutes les portes pratiquement. Juste en dessous ici on a le bouton désarmer. Alors, armé partiellement juste à côté, ça c'est quand vous êtes chez vous. Si vous armez pour la nuit, par exemple, bien sûr, prévenez tout le monde, vous pouvez armer partiellement, c'est-à-dire que quand vous allez installer tous vos capteurs, vous allez signifier, si vous voulez que le capteur soit en position arme totale, quand vous armez l'alarme pour partir à l'extérieur, ou si vous voulez qu'il soit armé en partiel. Armé en partiel, c'est quand vous êtes à la maison. Par exemple, ça, moi je n'ai pas activé le capteur de présence, capteur de mouvement. Quand j'arme en partiel, j'ai que les capteurs de porte et de fenêtre qui se mettent en route. Voilà, ça veut dire que vous vous levez la nuit, vous traversez votre maison, tant que vous n'ouvrez pas les portes là où il y a les capteurs, vous ne ferez pas sonner l'alarme puisque les capteurs de présence, de mouvement ne seront pas activés. Donc ça c'est l'armement partiel. Et encore une fois, vous signifiez sur chaque capteur si vous voulez que ce soit partiel ou total tout simplement. Juste à côté, le bouton menu. Ensuite, on a normal ici, ça c'est toutes les activités. Par exemple, si je déclenche un capteur, si j'ouvre ma baie vitrée, ici, ça va m'allumer comme quoi j'ai ouvert la baie vitrée. Bah, écoutez, je vous le montre de suite. J'ouvre la baie, ici, et regardez sur l'alarme, tac, voilà. Fenêtre ouverte, zone 4. Je referme ma baie. Et voilà, et ça repasse en normal. Donc même quand l'alarme n'est pas en position armée, ça va vous détecter s'il y a des portes ouvertes. Et à côté, vous avez le statut, donc système désarmé pour l'instant, la date, etc. qui sont affichées, l'heure, et en haut, vous avez le Wi-Fi qui est indiqué, la puissance de la batterie, l'heure, et également, vu que j'ai une carte SIM à l'intérieur, le réseau, tout simplement. Alors on rentre dans le menu. Alors on peut avoir... voyez, on a des sons pour chaque touche. Alors ça, on peut le défaire tout de suite. Je vais aller dans réglage des fonctions, tonalité clavier. Je vais mettre sur off et je valide. Voilà, comme ça, j'ai plus de bluc bluc. Donc quand on rentre dans le menu, on a les réglages pour l'alarme. Ensuite, téléphone, ça c'est pour relier à des téléphones. Donc vous avez jusqu'à 5 numéros. Donc là c'est simple, vous rentrez, hop, vous mettez le téléphone, les numéros de téléphone que vous voulez prévenir, et vous pouvez prévenir jusqu'à 5 numéros de téléphone. Le journal, ça vous dit ce qui a été fait, donc journal des alarmes. Vous voyez là, j'ai 6 choses dans le journal. Donc ça me dit que là, il y a eu une porte d'ouverte, que j'ai eu un armement, un désarmement. Hop, on peut enlever tout ça. Voilà, le journal est vide. Vous avez les accessoires, donc c'est ici que vous allez pouvoir, bien sûr, connecter les télécommandes, les détecteurs. Les télécommandes, je vous en ai pas parlé, mais non. Vous avez deux télécommandes de fournies avec, voilà ce que j'avais oublié. Deux petites télécommandes sur lesquelles vous avez l'armement, le désarmement, quand vous êtes à la maison, ce que je vous ai dit tout à l'heure, et le SOS, ça c'est pour faire gueuler l'alarme tout de suite. Appel au secours. Donc c'est ici que vous allez pouvoir pairer tous vos appareils. Et on va le faire tout de suite. Alors, vous pouvez pairer télécommande, vous pouvez pairer les détecteurs, donc ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez pairer des badges, puisque ici, vous avez un RFID. Et ça, ce sont des petits badges magnétiques. Plutôt que d'avoir une télécommande, par exemple, pour votre enfant, vous pouvez lui donner un badge magnétique. Et en fait, quand il va rentrer à la maison, si l'alarme est en route, il rentre à la maison et il vient présenter son badge ici. Et ça désarme automatiquement l'alarme. Alors, bien sûr, vous pouvez régler le temps que vous avez quand vous rentrez à la maison, soit vous pouvez faire gueuler tout de suite dès qu'il y a un détecteur qui est activé, soit vous pouvez mettre un délai de 15-30 secondes jusqu'à 90 secondes je crois. Donc ça permet de rentrer et de pouvoir désactiver l'alarme. En attendant, vous avez un bip qui vous dit attention, ça va couiner. Donc là, toutes les fonctions pour pouvoir relier les prises femelles, décodeurs, etc. On s'en fiche, nous ce qui nous intéresse c'est les détecteurs. Je vais tout de suite relier un autre détecteur, donc par exemple, tac, je clique sur détecteur, ça c'est tous les détecteurs qui sont déjà connectés ici, et je vais activer par exemple le détecteur de porte qui est là. Alors avec un petit stylo, je vais mettre sur on ici, voilà. Donc vous voyez, il clignote automatiquement, mais
hop, ça s'arrête de clignoter. Donc pendant qu'il clignote, on peut l'appairer. Mais on peut aussi l'appairer une fois qu'il est en route. Donc vous voyez ce que je vous ai dit, dès qu'il y a une séparation, même de hop, d'assez loin, ici, tac, vous voyez, là, ça fonctionne. Donc ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais le coller comme ça. Je vais faire plus, ici, voilà. Alors, alarme système, vous avez le choix, alarme porte, donc là c'est ce qui m'intéresse, alarme salon, alarme panique, alarme de chambre, alarme de fenêtre, bref, périmètre, incendie, gaz, monoxyde de carbone, alarme fuite, alarme système. Donc moi je vais mettre alarme porte pour celui-ci. Armement partiel activé, donc ça c'est si jamais, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous ne voulez pas tout activer, juste les portes par exemple. Donc partiel ou complet. Activé. Après 24 heures activées, ça vous pouvez programmer les heures d'activation, fermer, sonnette, si vous voulez programmer une sonnette. 24 heures le silence, armement partiel, sans délai. Alors je vais mettre armement partiel, sans délai, voilà. Et je vais lui attribuer le numéro 8, puisque moi j'ai déjà 7 de programmé, numéro 8, et je valide ici. Ensuite, je valide. Voilà, j'ai 20 secondes pour utiliser le capteur. Donc là, je vais juste l'activer. Paf ! Apprentissage, OK. Donc là, le petit capteur qui est là est relié à l'alarme, tout simplement, en numéro 8. Le voilà, armement partiel sans délai. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. La même chose pour ça. Hein, vous le mettez en route. On va le faire ensemble, vite fait. Hop, voyez. Alors le témoin lumineux rouge, vous pouvez le retirer. Hein, il y a une façon de le faire, c'est indiqué dans la notice. Je vais faire détecteur, je vais faire plus, alarme système, je vais laisser ça, alarmement partiel activé, là je vais mettre armement complet. Donc là ce sera pour l'armement complet, en partiel celui-ci ne fonctionnera pas. Et je vais mettre le numéro 9, tout simplement, je valide ici, et prêt pour l'appairage, je fais un mouvement, tout simplement, devant, hop, apprentissage, OK. Voilà, donc là, j'ai activé, j'ai relié mon appareil. Donc, c'est vraiment super simple à faire. Donc, voilà pour relier tout ce qui est accessoire. Alors, bien sûr, vous devrez le relier à la Wi-Fi. Donc, il y aura juste à taper votre code Wi-Fi. Et pour ça, bah, écoutez, vous aurez juste à télécharger l'application qui est avec, qui s'appelle Easy Security. Voilà. Donc, au tout début, vous devrez créer un compte, tout simplement, sur Digoo. Et là, j'ai rentré mon email et mon mot de passe. Je fais sign in, bien sûr. Et là, je vois mon alarme, puisque je l'ai déjà paramétré. Sinon, quand vous faites plus, pour ajouter une alarme, ici, voilà, vous devrez mettre votre Wi-Fi, donc le nom de votre box, et votre code Wi-Fi, tout simplement, et il va trouver tout simplement votre alarme, et ensuite, vous avez accès à votre alarme. Donc d'ici, ah, voyez, j'ai eu un problème sur l'alimentation, puisque je l'ai activé et désactivé. Donc là, je désarme automatiquement. Et vous pouvez non seulement tout déclencher à partir de votre téléphone, mais vous aurez aussi... Ah, forcément, je reçois un message, système désarmé. Et vous aurez aussi, bien sûr, accès à toutes les options. Ici, donc les télécommandes, les capteurs, les réglages principaux. Voilà, si vous voulez un bip quand vous mettez en route, si vous voulez que la sirène gueule ou pas, parce que vous pouvez la mettre en silencieuse et simplement déclencher l'alarme et recevoir les messages ou le coup de téléphone, tout simplement, message et les coups de téléphone. Vous pouvez pairer bien sûr une sirène sans fil, donc moi j'ai pris une sirène avec fil, les numéros de téléphone, et dans les numéros de téléphone vous pouvez sélectionner soit simplement les messages ou simplement le téléphone ou le téléphone et les messages, voilà, et donc vous aurez un message et un coup de téléphone. Quand vous recevez le coup de téléphone, soit dans l'application vous désarmez l'alarme, soit vous décrochez à votre coup de téléphone, et là vous aurez un petit message que vous avez enregistré, ou pas de message si vous n'avez pas enregistré de message, mais vous pourrez communiquer par le haut-parleur de l'alarme avec les intrus qui sont dans la maison, si vous voulez. Voilà, vous pouvez demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi l'alarme est déclenchée, et s'il y a une personne à côté, il va pouvoir vous dire non, c'est moi, je ne l'ai pas fait exprès, tout ça. Il va y avoir une communication entre les deux. Parce que je vous rappelle qu'il y a un micro et un haut-parleur dans l'alarme. Donc, moult possibilités.
Entry delay, donc ça c'est sympa, on l'a aussi. Tout ce que je vous montre là, vous l'avez également directement sur la centrale. Et là, vous voyez, j'ai mis no delay. Ça veut dire que l'alarme se déclenche tout de suite dès qu'on ouvre quelque chose. Mais vous pouvez mettre de 0 à 90 secondes de délai. Et là, si vous avez mis 15 secondes, eh bien écoutez, vous allez avoir un bip pop, pop, pendant 15 secondes. C'est le temps que vous aurez pour désarmer, tout simplement. Donc plein de fonctions. Name zone, alors ça c'est pas mal. Voilà. Une fois que vous avez installé vos capteurs, alors petit conseil que je vous donne, moi j'ai tout paramétré les capteurs à côté de l'alarme, et ensuite je suis allé les installer. Mais il y a plus simple que ça. Installez les capteurs là où vous voulez les mettre, et ensuite quand vous allez pairer vos capteurs à la centrale, tout simplement, et bien vous allez sur le programme que je vous ai montré tout à l'heure pour associer les appareils, et à chaque fois que vous êtes prêt, vous nommez l'appareil, vous dites si vous voulez une alarme totale ou une alarme partielle, et quand vous faites OK et que vous avez les 20 secondes, toc, vous ouvrez la porte que vous voulez pairer, tout simplement, et vous faites ça sur chaque capteur que vous aurez installé dans la maison, et ensuite c'est fait. Après, vous pouvez nommer. Vous voyez, moi la 1 c'est le salon, la 2 c'est la porte d'entrée, la porte du garage, la baie de la salle à manger, la chambre de ma fille, le cabanon, la sonnette. Voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez en mettre jusqu'à 99. Donc vous avez vraiment de la place. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Alors, est-ce qu'on se déclenche cette alarme vite fait? Je vais le relier à mon petit gueulard que je vous ai dit, j'ai payé 5-6 euros sur Banggood, ici, qui se branche en jack. Voilà, donc comme vous voulez, soit vous faites gueuler, soit vous faites pas gueuler. Ça peut être une alarme silencieuse, tout simplement. Hop, je reviens sur le panneau normal et on va activer l'alarme. C'est parti. Système armé. Un petit bip qui dit que le système est armé. Maintenant, si je déplace un capteur d'ici ou un capteur de la maison, automatiquement, on va faire couiner. Donc je reçois le message comme quoi le système est armé. Et maintenant, je vais déplacer, par exemple, ce capteur-là, tout bêtement. Attention. C'est parti, ça gueule un petit peu. Je coupe. Système désarmé. Tuit, tuit. Et là, je reçois les messages comme quoi j'ai eu un capteur de porte qui a été déclenché et l'alarme qui a été désarmée, tout simplement. Donc, et là, c'est la sonnerie de mon téléphone pour me dire qu'il y a eu une alarme de déclencher. Donc, quand l'alarme est déclenchée, ça, c'est ce que vous recevrez. Là, je l'ai coupé. Donc, ça ne dure pas très longtemps. Mais si vous ne la coupez pas, bien sûr, les cambrioleurs ne vont pas la couper. Vous aurez cette alarme-là qui vous réveille si vous dormez ou qui change complètement votre sonnerie et vous savez que l'alarme est déclenchée. Donc, en plus des messages. Vous pouvez, encore une fois, activer ou désactiver tout ce que vous voulez. Les messages par texto, le message par Wi-Fi, et la sonnerie de téléphone normal si vous avez une carte SIM bien sûr dans l'appareil. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez. Voilà, vous armez, vous désarmez, vous avez le gueulard, vous avez pas le gueulard, c'est vous qui choisissez. Et je trouve ça vraiment génial parce que c'est vous qui programmez selon vos envies et c'est vraiment pas difficile de changer un programme juste avant de partir parce que vous avez envie de changer tout simplement ou parce que les enfants restent à la maison, etc. Donc je trouve ça vraiment excellent. Donc moi, pour tout vous dire, voilà, l'alarme m'a coûté 69 euros à l'achat. J'en ai eu pour 15 euros d'accessoires supplémentaires pour avoir 9 points de contrôle dans ma maison, plus la sonnette et le gueulard. Et maintenant, ça me coûte 5 euros par mois. Et j'estime que 5 euros par mois, et encore, on peut faire moins, bah, c'est vraiment pas énorme pour être protégé. Voilà, donc bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. Si vous en avez des questions justement, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, j'y répondrai sans aucun problème, pareil sur les réseaux sociaux. Donc bien protégé, pas cher et efficacement, Digoo DG Ama, que vous pouvez trouver chez Banggood, bien évidemment, j'adore ce site. Voilà, personnellement j'en suis vraiment super content, que ce soit pour les achats ou pour le SAV, ils sont vraiment à la pointe et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça change un petit peu du RC, mais comme vous le savez, j'aime bien partager avec vous tout ce que j'aime et même ce que j'ai envie de découvrir. Il n'y a pas de raison que vous ne le découvriez pas avec moi. En attendant, on a de bonnes surprises. Bon, moi je vais installer mes derniers petits capteurs, et puis moi il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao.